Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous propose, c'est comment je fais mes pastels à la viande de bœuf hachée. Voilà, donc on ne s'en va plus, on y va. Ici, pour débuter la recette, j'ai pris 500 g de farine, 3 œufs. Nous avons également 100 ml de lait, 70 g de beurre salé, sel, poivre et cannelle. Dans le cuve de mon batteur, je vais faire tamiser la farine. Voilà. Et c'est après avoir bien tamisé, excusez-moi, je vais rajouter mes œufs. Je rajoute le lait. Pincée de sel, pincée de poivre, pincée de cannelle. Voilà. On va venir mélanger le tout, pétrir le tout au robot. Je vais rajouter mon beurre. Ça veut dire qu'il est en train de faire des gars à son papa là-bas. Voilà, ici après avoir obtenu cette texture là, elle est très souple. Bon, pas soupe, soupe, elle est. En tout cas, si vous suivez ma quantité là. Donc, on va venir. Voilà, ici on viendra bien malaxer la pâte là. Comme ça. Voilà, après avoir obtenu cette texture, on va laisser notre pâte la reposer. On va couvrir et laisser reposer de côté. On va passer à notre face. Voilà, pour la face là, j'ai pris quelques légumes tels que poireaux, oignons, tomates, poivrons, ail, gingembre, feuilles d'oignon, piment. Concernant le poivron là, j'ai pris les trois couleurs de poivron. Ici, voici la viande hachée que j'ai utilisée. Je vais poser ma cocotte au feu. Et il y a trop de bruit aujourd'hui, hein? Voilà. On va laisser tout ça là revenir. Après avoir obtenu cette couleur, cette texture là, je viens rajouter mon bouillon d'assaisonnement bio. Ça remplace en quelque sorte le cube d'assaisonnement industriel. Là, je vais rajouter mes légumes que j'avais cités précédemment. Vous allez beaucoup m'excuser. Oh. Je suis venu me cacher, mais ça ne va pas. Voilà. Ici, quand c'est prêt, vous voyez là c'est bien prêt, non? On retourne à notre... Ici, j'ai un emporte-pièce pour tous ceux qui aimeraient utiliser. Vous avez... Bon. Là, voici ma pâte, là. On revient. Je vais étaler ma pâte. On va d'abord les diviser en différents petits morceaux de part égale. Voilà. Après avoir aplati, je viens faire des cercles. Voilà. Je vais venir aplatir encore une fois de plus. Vous pouvez faire épais ou fin. Bon, moi, je ne fais pas très, 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 très. La pâte n'est pas très, très, très fine. Elle n'est pas aussi épaisse. Le juste milieu. Je viens farcir avec ma préparation de viande hachée là. On va refermer. Plier les bordures là. Puis, à l'aide d'une fourchette, on va refermer. Voilà. On va procéder ainsi pour le reste de notre pâte là. On va faire hors caméra quoi. De côté ici, je vais venir faire chauffer mon huile. Voilà. Je viens, quand le,
quand l'huile est chaude, pas tellement chaude, hein. Là, j'ai réduit à feu moyen. On va venir faire frire notre pastel. Nos pastels. Voilà, on va laisser bien cuire tout doucement. Et quand c'est doré, la couleur va vraiment dépendre de vous. Moi, j'aime quand c'est doré comme ça. Je vais les retirer. Voilà. On va essayer de frire le reste là. Vous pouvez faire, il y a plusieurs tailles. Vous pouvez les faire petits ou larges comme ça. Ok. Ah, je pense que c'est prêt. Je vais les retirer. Et on se retrouvera tout à l'heure pour le résultat final. Ok, voici le résultat de mes pastels. Si tu aimais, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes. On se dira bye bye. Comment elle est? Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé de d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste, c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement. La grosse boîte là est de 250, pardon, 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal, pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,